Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parc d'attractions. Un parc que j'ai fait il y a des années, vraiment des années, très très longtemps, j'étais tout petit. Aujourd'hui on est à la Mer de Sable, c'est un parc d'attractions sur la thématique des Indiens, des cowboys. Et aujourd'hui on est accompagné évidemment de Fab. Salut. Et donc du coup bah aujourd'hui on va s'amuser à redécouvrir ce parc et à voir un peu ce que ça donne. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti cowboy. Déjà c'est vrai que cet aspect de sable partout là, c'est vraiment marrant hein. C'est vraiment typique d'ici, en même temps ils ont construit c'est ça sur une mer de sable, c'est clairement ça. Sur le terrain de sable. Sur le terrain qui est juste à côté qu'on vous montrera. C'est une étendue de sable qui est arrivée ici naturellement hein. C'est pas importé ni rien, c'est vraiment naturel, ouais j'ai vu ça. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc on va faire un petit tour pour voir un petit peu la théma de ce parc qui a l'air quand même très sympa et j'ai bien aimé à l'entrée les petits cow-boys qui nous ont accueillis. Donc je trouve ça cool. Juste derrière moi c'est la petite nouveauté de la mer de sable, c'est Silver Mountain. Donc pour le moment elle est pas encore ouverte, on ira la faire dès que c'est ouvert. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un petit coaster, il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment très familial. Le parcours n'a pas l'air très long, mais pour le coup la thématisation est vraiment poussée. Donc franchement pas mal, il y a des petits bruits de mineurs et tout, enfin c'est vraiment cool, j'ai hâte de voir ce que ça donne à l'intérieur. Et bien on commence avec la première attraction, la rivière sauvage. Oui, dès le matin nous on se mouille, on est comme ça. C'est parti, let's go. Ah ouais, sauvage. Mais quelle idée de faire ça en premier quoi. Non non ça va. Oula. Oula. On sort de l'attraction Silver Mountain, honnêtement, alors c'est pas un long parcours hein, mais très agréable, très fluide, très sympa. Franchement voilà, quand vous allez être en famille et que vous venez faire un petit tour à la mer de sable, n'hésitez pas à passer par là parce que même vos enfants pourront apprécier l'attraction. Il y a une thématisation, franchement c'est pas le truc où vous allez avoir la tête à l'envers ou autre, mais en tout cas c'est très agréable et pour les enfants c'est peut-être une bonne entrée en matière pour faire un coaster, donc bon, franchement top. Franchement cette petite attraction payait pas de mine mais c'était vraiment drôle, c'était vraiment pas mal. Donc on le testera du même côté tout à l'heure avec Fab pour voir effectivement si ça nous fait tourner peut-être un peu plus vite. Mais vraiment cool. Bah allez on va faire Cheyenne River, c'est l'attraction dans laquelle je me souviens le plus. Enfin je me souviens qu'elle avait une très très bonne pente. Donc à voir maintenant s'il y a eu des changements ou pas. Ah, Fab me dit que c'est la plus haute pente de France, ok, intéressant.
C'est beau quand même. C'est très joli en vrai. C'est très très joli. Bon ça les vendeurs. Nous on est bien, on est posé au calme et tout, ça va pas mal. Bon, on sort du coup de Cheyenne River. Franchement, c'était vraiment cool. Pour le coup, ça mouille bien et effectivement, ça se voit que c'est vraiment une des plus grandes chutes d'eau. Hein, clairement, c'était vraiment très grand. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Tiger Express. Donc, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de faire, vous savez. Rappelez-vous avec tout ce qui est dingo en Californie. Mais ça marche bien ce genre de coaster. Donc on y va et on est dans un esprit un petit peu plus asiatique, j'ai l'impression. Asiatique, mais toujours dans l'esprit de cowboy Far West. C'est vraiment cool. C'est très marrant. Franchement très surprenant comme attraction. Franchement très surprenante. Alors on a déjà fait très souvent ce genre d'attraction. On les connaît ce genre d'attraction. Mais celle-ci nous a vraiment surpris et je trouve qu'elle apporte un truc en plus. Elle a une particularité en plus. Enfin voilà, les descentes etc. sont super cool. Voilà, on va faire Chicapass. De ce que j'ai pu comprendre, c'est un peu le It's a Small World de Mer de Sable. Oula, mais c'est très étroit là. Oula là. Ah oui. Bah franchement c'est très très sympa honnêtement cette petite attraction, ça fait très reposant. Il n'y a pas une grosse musique dans nos oreilles donc on n'est pas aussi hypnotisé qu'à It's a Small World. Mais en tout cas le gros lot, les petits sons qu'on a des marionnettes, et bah je trouve ça très sympa. Avec l'eau paisible, avec l'histoire également des animaux, on a les singes, on avait également des pandas pour le côté asiatique. Non franchement très sympa comme attraction et je vous recommande de la faire parce que à mon avis c'est un... C'est un classique de la mer de sable. Bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va manger parce que bah mine de rien moi j'ai faim. Et vous? Bah allez go. Allez go on va manger, ouais. Ça m'a rappelé les bons souvenirs d'Orbitron. Bon c'était pas Orbitron mais c'était toujours ça quoi. Honnêtement, on a très très bien mangé, enfin on a bien mangé. Bon après c'était pas non plus incroyable, c'était juste un burger. Le prix de 15€, je trouve quand même ça un peu cher pour ce que c'est. Au final on est quand même dans un petit parc, l'entrée est dans les vingtaines d'euros. L'entrée t'as combien déjà? 27,50. L'entrée est à 27,50 et quand on voit que le burger est à 15€, ah c'est vrai que tout de suite tu dis ouais. C'est vrai que ce n'est pas forcément à la même échelle. On va aller faire un petit tour dans la boutique juste à côté. Je suis une vraie cow-boy. C'est moi le vrai cow-boy. Une vraie cow-boy? Non, toi t'es un cow-boy bizarre. Moi je suis le shérif. Moi je suis une vraie cow-boy. Ouais. Et les cow-boys ils parlent pas avec cet accent. Toi, tu es mon cheval. Okay. À quatre pattes, cheval.
Ah ouais, quand même. Là, excusez-moi les gars, je suis désolé, mais peluche vache. Alors, ce n'est pas une licence, c'est rien. 19,50€ les gars. Les gars, vous êtes abusés sur les prix. Là, pareil les gars, un truc juste tout petit comme ça, 8€. Waouh, 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 waouh. Par contre, ça, je trouve ça super mal. Hein. C'est un pistolet et c'est une tasse. Clac, tu bois comme ça. J'ai trouvé mon étalon. Non, mais en vrai, c'est bête. Ça, c'est vrai, c'est ce genre de truc assez marrant, c'est malin, c'est ludique, c'est dans le thème quoi. Il y en avait plein qui arrivaient. Ouais, mais les gens, ils achètent, ouais. Dites-moi à qui vous fait penser ce bonhomme. Dites-moi dans les commentaires à qui vous fait penser. Bon, alors faut savoir qu'à la mer de sable, il y a 3 spectacles. On va faire le premier qui s'appelle Willy West Show, qui est à 14h30. Donc on va voir ça avec le héros principal de la mer de sable. Donc on va voir ça. Après on a évidemment l'attaque du train. Du spectacle de Willy West Show, franchement c'était super sympa, honnêtement c'était sympathique à voir. Il y avait beaucoup de choses à voir un peu partout, que ce soit des explosions, que ce soit de l'humour, des cascades ou autre. Franchement super sympa. Faut savoir qu'il y a 3 spectacles à la mer de sable et en fait ils durent 20 minutes à peu près et ils sont tous les 1h30. Il y en avait un à 14h30, il y en a un à 16h et il y en a un à 17h30. Donc voilà, là on enchaîne tout de suite avec la partie du début du parc qu'on n'a pas encore vu. Donc on va en profiter et puis on va voir ce qu'on va faire, peut-être le train qui fait le tour de la mer de sable. Franchement c'était mignon mais c'était pas non plus incroyable. Le problème c'est qu'il n'y a rien à voir, il y a juste la mer de sable, hein, ce qui est emblématique quand même du parc. Vous n'avez pas de décor, vous n'avez rien, donc c'est un peu dommage. Mais bon, on va voir ce qu'il y a à faire dans les alentours là de l'entrée du parc. Il y a peut-être des petites attractions qu'on n'a pas encore fait, donc on va aller faire un petit tour. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement un parc familial quand même. Il y a beaucoup d'attractions basées pour les enfants. Mais en vrai c'est très sympa quand même. La thématisation est très sympa et honnêtement moi je vous recommande, si jamais vous avez des enfants etc, de venir faire un tour. C'est des paysans et c'est vraiment cool, en tout cas je pense qu'ils s'amusent beaucoup eux. Bon, on est dans le safari Mississippiste, anciennement appelé le safari Golo, safari station, tu vois. Ouais, ils ont changé le nom, ouais, effectivement. Et là il y a un éléphant. L'animatronique ça y est pas là, hein. Salut Kerchak. Oh là là, hé hey hey, une vraie girafe. Wow. Ah non, c'est un tuyau d'orge. C'est pas mal du tout. Bon, après avoir fait forcément le Puy du Fou récemment, forcément on n'est pas sur du aussi extraordinaire.
mais le cadre est quand même très joli et joue beaucoup justement sur la beauté du spectacle et que ce soit un bon petit moment. Donc voilà, si vous êtes de passage à la Mer de Sable, vous devez faire les spectacles, je pense que c'est important de les faire. Au moins ça vous fait une matinée attraction et une après-midi un peu plus spectacle, un peu plus chill. Et celui-là je pense qu'il est à voir avec le magnifique décor. Petite pause gourmande avec la petite Vittel citron et le Magnum double caramel billionnaire, je sais pas quoi. J'en entends parler depuis quelques temps de celui-là, on va le goûter. Pas mal. On vient de regarder le tournoi des trois nations, ça va, c'était cool. Beaucoup de cabrioles, des chevaux, des indiens, des mexicains et des cowboys. Non, c'était drôle, il y avait de l'humour et tout, franchement c'était vraiment cool. Donc j'ai bien apprécié, puis on va pas se tarder à se rentrer là, il est 18h donc on va falloir rentrer. C'est un bon parc chill en vrai, c'est ça le thème, un parc chill. Les amis, honnêtement, franchement, très bon parc familial. Oui, je suis assez d'accord. Franchement, c'est d'accord. Bien thématisé, les attractions sont ok. Pour les enfants, c'est parfait. Alors évidemment, si vous êtes une bande d'adultes ou une bande d'ados, c'est peut-être pas le lieu les qui va le plus compte, ouais. vous enjailler. Mais en tout cas, vous allez passer un bon moment, vous allez voir, prenez le temps, chillez, faites les spectacles, faites le temps comme il faut et vous allez voir qu'il y a des très bonnes attractions. Cheyenne River qui est vraiment très bien, la nouvelle attraction Silver Mountain qui est vraiment sympa et tant d'autres qui sont vraiment cool. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis si vous avez des enfants, n'hésitez pas à foncer, je pense qu'ils vont vraiment s'amuser. Sur ce, on se fait des bisous, on se dit à très vite pour un prochain parc d'attractions et surtout, n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao. Salut.